Voilà celui qui doit rêver aujourd'hui de réaliser le même exploit qu'il y a donc 2 ans maintenant, 3 ans même. C'était à Brisbane en Australie, lorsque Ivan Ivankov, le Bélarus, a réussi l'exploit dans le concours qui n'était pas retransmis à la télévision de réussir le meilleur total devant son compatriote Vitali Tcherbo. Aucune erreur n'est possible à la barre fixe pour Ivankov s'il veut être champion du monde. On a un premier Kovacs, salto arrière au-dessus de la barre. Le même corps tendu, parfaitement repris, les bras bien tendus. Et un troisième. Fabuleux, fabuleux! 3 Kovacs enchaînés. Petite série de changements de face, l'engager, la dislocation. Et avec une limpidité, une souplesse étonnante, toujours chez Ivankov, et une parfaite maîtrise de la sortie. Double arrière tendu avec une double vrille. Alors là, Michel Botard, nous tenons peut-être le champion du monde 1997 d'entrée de jeu, car c'était là qu'il fallait mettre le turbo, et Ivankov a su le faire avec une aisance et une témérité qui sort de l'ordinaire. Oui,